Vous avez passé un bon week-end? Pas un week-end. Nous sommes... Quel jour? Non. Nous sommes... Le jeudi, bien sûr, le 26. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée hier ou avant-hier? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Beaucoup de devoirs. Beaucoup de devoirs. Oh là 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 là. Mais c'est la fin de février, c'est-à-dire dans 2 semaines, les vacances de printemps. Ouais. Ouais, vous allez partir? Quelqu'un va partir? Oui, Gilles, où est-ce que tu vas? À The Pair. Ok. Pourquoi pas, c'est très bien, c'est très bien. Ok. Est-ce que ta famille habite là-bas? Oui. Oh, très bien. Tu vas dormir? Beaucoup, oui. Beaucoup. Et travailler. Et travailler aussi? Oui. Manger? Sortir? Peut-être. Peut-être. Tu ne sais pas. Ok. Quelqu'un d'autre a des projets magnifiques pour les... Oui. À Chicago. Oh, tu vas à Chicago? Ah, très bien. Tu vas passer une semaine à Chicago? Oh ou... non, ah, juste 3 jours. 3 jours, ok. Est-ce que tu vas aller au musée, au concert? Oui, au musée et l'aquarium. Oh, magnifique! Et je veux faire shopping à Victoria's Secret. Magnifique, très bien. Et c'est tout. C'est tout? Oui. Mais aussi un autre shopping qui est très très bon, c'est H&M. Oh oui, j'adore H&M. Moi aussi. Tu aimes? Oui, j'aime beaucoup. Et mon petit frère, il voyagera en France. Non. Oh, oui. Moi aussi. Pendant les vacances. Oui. Wow, Kathleen, oui. Wow, c'est incroyable. Tu vas non, pas moi. Ah, non, mon petit frère. Kathleen, tu vas faire tes valises. Ciao, je vais à Paris. Ok, magnifique. Très bien, combien de temps est-ce qu'il va rester à Paris? 2 semaines. Une semaine avec la famille. Uh-huh. Et une semaine avec la classe de lycée? Est-ce que oui, c'est... de lycée. Okay. Et la première semaine, il voyagerait à Paris pour des musées. Et aussi à Cannes. Comment dit-on beach? La plage. La plage de D-Day. Ok, donc oui. Il va aller à Caen et donc les plages de Bayeux. Oui. Wow. Beaucoup de choses. Beaucoup planifié, oui. C'est ça, quand on va à Paris oui. Ou on va en France, oh. Il y a beaucoup de musées qui... Oui, et pour la famille, il resterait dans, à Avignon. Ok. Avignon et Talabag. Magnifique. Et quand est-ce qu'ils vont aller? Maintenant ou en été? Quand est-ce qu'ils iront en France? Oh, en mars? Le vacances au printemps. Wow, ok, très bien. Donc, dans 2 semaines, il va partir en France. Wow, incroyable. Ok. D'autres projets? Peut-être moins magnifiques que ça? Mon anniversaire. C'est quand? Le 20 mars. Le 20 mars? Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu vas faire pour ton anniversaire? Je ne sais pas. Je resterai chez mon petit ami pour les vacances. Ou avec il et après avec ma famille. Super. Ah, ça va être très bien. Ok. D'autres projets? Non? Ça va pour l'instant? Juste dormir, se reposer, manger bien, faire un peu de sport? Non. Non, tranquille. Regarder Netflix? Oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup, oui. Beaucoup de films. Bon, on va toujours continuer de parler de l'amant de Marguerite Duras. Ok? Maintenant, pensez au vocabulaire. Ok? Alors, vous allez, chaque groupe va tirer des lettres. Donc, tirer. Ok. Donc, voilà. 1, 2. Ok. Alors, Amy ou Elisabeth, tu veux travailler avec Derek? Elisabeth? Elisabeth, vas-y, tu vas travailler avec Derek. Ok. Quoi? Ok. Très bien. Les filles, pas de choix pour vous. C'est comme ça. Alors, vous avez les lettres. Vous avez les lettres. Ok. Donc, vous devez trouver un mot ou
plusieurs mots pour votre lettre. Donc, nom, adjectif, verbe ou adverbe, et peut-être faire une phrase. Mais ne regardez rien. Ne regardez rien. La mémoire. Écrit à la carte. Oui, vous pouvez écrire sur la carte. Magnifique. Ok. Un mot, juste un mot, ça va. Deux mots, ah, fantastique. Trois mots, bravo. Ok, très bien. Ok. C'est le frère aîné qui est toujours ivre. Ok, très bien. Très bien. Ok, ok. Ok, très bien, ok, ok. C'est tout? Oui? Oui. Ouais. Parfait. Redonnez-moi les cartes, s'il vous plaît. Magnifique. Ok, très bien. C'est tout? Ok. Donc, wow, magnifique. Pour les lettres E, F, nous avons essayé, fantastique, effrayant, facile, non? Fait de peau? Faux de peau, ok. Faux de mère, ok. Fière, très bien. Fille, famille, frère, fleuve. Combien vous en avez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pour l'instant, magnifique. Ok, pour les lettres G, H et I, nous avons 2. Ivre, très bien. Et importance de la photographie. C'est très bien, magnifique. Ok, pour les lettres Q, R et S, vous avez Sadek. Très bien, parce qu'il se rencontre à Sadek. Et Saigon. Elle était née à Saigon. Très bien. Ok. CD chinois et Cholin. Très important. Il était le chinois et il se rencontrait à Cholin. Ok. Très bien. Alors, A et B, vous avez boys. BC. J'espère que c'est BC. Battre. Amant. Amour. Bac. Le bac. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas mal. Ok, pour les lettres N-O-P, vous avez petit frère, naïve, la narratrice était très naïve, opinion et père. Très bien. Et pour les lettres L-M, vous avez la mère, le savon de Marseille. Oui, mais pourquoi L-M? Ah, parce que Marseille. Ok, très bien. Le lycée, les mathématiques, lentement et mentir. Magnifique. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quel groupe a gagné? Ta-da! Vous avez bien gagné. Fantastique. Très bien. Bonne mémoire. OK? Parce qu'on a seulement 200 mots, n'est-ce pas? Oh! Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Tout ça. Tout ça. Nous avons fait tout ça. N'est-ce pas? Ouais. Donc, en fait, est-ce...
Oui, est-ce que tu peux passer s'il te plaît? Tu peux passer? Alors, Karian, est-ce que tu peux nous lire pour les, la lettre A? La main, la main, l'argent, l'avidité, l'assassin, l'amitié, avide, l'assassiné, et nous. Magnifique. Emily, vas-y, pour la lettre B. Beauté, foi, bâtiment, accompagnement, passage, fruit, beau, blanc, pâture, boutard, chaque et bois. Et boire. Ok, beaucoup. Alors, Laurie, vas-y. Chinois, contraste, culpabilité, caresse, calme, sensation, candeur, corps, cigarette, chambre, conversation, comme, content, claqué. La colonisation et chemin. Très bien. Ok, Rachel, vas-y. Désir, déshonneur, doute, douleur, détresse, désespoir, domestique, désordre, douce, désespéré, dîner, danser, et la deuxième guerre mondiale. Parfait. Elisabeth, vas-y. Élève, école, enfant, écrivain, épidémie, émotion, élégant, écrire, étudier, embrasser. Mm-hmm. Derek. Frère, famille, famine, love, fortune, foule, faiblesse, force, mm-hmm. folie, fenêtre, fumerie, faible, mm-hmm. fanatique, fou, folle, fumée. Parfait. Ok, Christian. Garçonnière, générosité, guerre, guerrier. Tu peux faire aussi H, s'il te plaît. Honte, honneur, honnêteté. 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 Âne, honnête, air, se air, earther. En fait, c'est haïr. Haïr. Oh, mm-hmm. haïr. Se haïr. Et le se haïr, et le earther. Heurter. Très bien. Ok, Chelsea, vas-y. Intimité, institutrice, indépendance, indifférence, individu, individualité, émotions, indigène, immeuble, indifférent, indépendant, individuel, intime, enfant, insensible, insociable, inhumain. 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 Et incultivable. Magnifique, ok. Nicole, vas-y. Jouissance, je me. Jeunesse. Jeunesse. Mm-hmm. Jalouse. Jalousie. Je dis jeune, jalouse. Jaloux. Mm-hmm. Très bien. Tu peux faire aussi L, s'il te plaît. Limousine. Laissant. Mm-hmm. Amoureuse. Mm-hmm. Liberté. Langue. Mm-hmm. Loisir. Lit. Liu. Lutter. Contre. Libre. Mm-hmm. Magnifique. Vas-y, Kathleen. Misère, mort, mariage, mépris, multitude, mère, malheur, maladie, muscle, meurtrière, mm-hmm. Muscle, manipulaire et le mécan. Magnifique, ok. Miranda, vas-y. M et O, ok, les deux. Meurtrice, nettoyage, nuit, nudité, nu. Naufragé, naufragé, nettoyé, odeur, orgueil, opium, oisif et ouvertement, l'occupation. Magnifique. Ok, ici. Plaisir, perversité, peur, prostituée, pauvrette, personnage, pensionné, père, peu, peine, pauvre, terreur, pleurer, plonge, punir, mm-hmm. Et donc c'est en fait pauvreté. Quand quelqu'un qui est pauvre, on dit pauvreté. Ok? Très bien. Gail, vas-y. Kanzan et Demi Rezier, rencontre, rivalité, réputation, résistement, ressentiment. Restaurant, riche, rebelle, quitter, rire, rencontre et la résistance. Magnifique. Et Amy, finis s'il te plaît. Sentiment, solitude, sexualité, société, subir, savant, supériorité, sol,
Socia, Sombra, La Source, Saigon, Tristesse, Tendresse, Traitre, Trahison, Tué, Trahir, Trompe, Tremble, Verilité, Viage, Ville, 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 Violence, Vitre, Voler, User, Vieux. Magnifique. Beaucoup de vocabulaire, mais si on a le vocabulaire et on ne le met pas dans une phrase, on oublie le vocabulaire, n'est-ce pas? Donc, avec votre partenaire, vous avez une minute pour faire une phrase avec n'importe quel mot de ce tableau, ok? Père. Allez, une minute, c'est parti. Vous écrivez, après je vais écrire. Compartiment, ok? Super, magnifique. Ok, votre phrase, Nicole, Kathleen. Dans le monde, le chinois
Un garçonnier ou la narratrice est allé. Très bien. Dans la main, le chinois a une garçonnière. Oups. Garçonnière ou la narratrice. La narratrice est allée. Magnifique. Est allée. Mm-hmm. Très bien. Un autre pronom relatif. Très bien. Ok, Miranda, qu'est-ce que vous avez? Le chinois fume les cigarettes et l'opium dans la limousine parce qu'il est élégant. Ok, très bien. Sauf l'opium, il ne fume pas ça. Mais le chinois fume des cigarettes dans sa limousine noire parce qu'il est élégant. Oui. Magnifique. Parce qu'il est élégant. Élégant. Très bien. Il est élégant, mais pas mon tableau. Oui, mon tableau n'est pas très élégant. Ok, très bien. Donnez-moi la dernière phrase courte. Oui, courte. Non. Je n'ai plus de place. Allez. Le chinois aime la jeune narratrice et il est très misère parce qu'il veut se marier. Avec elle. Oui. Non. Le chinois aime la jeune narratrice. Jeune narratrice. Et il est triste. Oui, triste parce qu'il veut se marier avec elle, mais son père, n'est-ce pas? Mais son père, qu'est-ce qu'il fait? Mais son père ne le veut pas. Ne le veut pas. Très bien. Très triste. Exactement. Magnifique. Oh, bonne histoire du roman, n'est-ce pas? Quand on a beaucoup de vocabulaire, on peut créer de belles phrases. Bon, allez, et nous, on a aussi de belles images, n'est-ce pas? Beaux symboles. Alors, ces images, ces objets, qui est-ce qu'ils représentent? Le savon de Marseille. La mer. Pourquoi? Elle est utilisée ça beaucoup. Ah ah. Surtout quand? Quand elle nettoyait la maison. Magnifique. Très bien. Ok. Les cartes représentent une personne ivre. Le frère aîné. Pourquoi? Il joue aux cartes, oui, et il perd beaucoup d'argent et il doit voler, n'est-ce pas, sa mère, etc., etc. Alors, la limousine noire. Les chinois. Parce qu'il fume dans la limousine noire, parce qu'il est élégant, n'est-ce pas? Ok, le piano. La mère. Pourquoi? Elle jouait du piano quand elle était contente. Quand elle était contente, c'était le seul moment, n'est-ce pas? Quand il lavait la maison, elle était et le frère aîné n'était pas là. Le chapeau d'homme. La jeune narratrice. Pourquoi? Elle porte ce chapeau, elle adore ce chapeau, n'est-ce pas? Et c'est le chapeau qui représente un peu l'ambivalence de la jeune fille, n'est-ce pas? Elle est jeune, mais très âgée. Elle est masculine et féminine, n'est-ce pas? Parce qu'elle est résistante, etc. Ok, le petit cerf. Le petit frère, n'est-ce pas? C'est Amy qui a dit qu'elle pensait au petit frère comme le petit cerf parce qu'il est innocent, il est très faible, n'est-ce pas? Et c'est le frère aîné qui chasse après le petit frère, n'est-ce pas?
Ok, très bien. Et ça, le panier de couture d'or. Magnifique, très bien. J'espérais. Parce que vous avez fait le portrait de Dou, n'est-ce pas? Et elle cousait dans la famille, elle cousait les robes, etc. Ok? Magnifique. Bon, à la maison, vous avez fait le polycopié, le cinquième polycopié, n'est-ce pas? Ce sont des questions que vous avez discutées. Donc, les filles, vous allez faire la question 1, 2, ok? 3, 4, 5, 5, 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 7 et 8. 7 et 8, 9, 9, 10, 11. Non, 9, 10, 11, 12. Ok? Ça va? Oui, à peu près. Vous savez les réponses? Ah, I have
hallucinant, that was very strange. Très étrange. Donc ici, ce n'est pas avec hallucination. That's why I was on this picture. Non, 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 non. Okay. C'est parce qu'elle voulait vous... Elle avait peur de mourir sans laisser une photo. Ça va? Oui. On peut faire ça ensemble? Allez, on va faire ça ensemble. Donc, nous avons la première question. Émilie Carial, allez-y. Comment le frère aîné a-t-il vécu sa vie? Le frère aîné a passé la plupart de sa vie en volant aux autres pour se procurer sa dépendance à l'opium. Et il vivait avec sa mère jusqu'à sa mort. Après l'âge de 50 ans, il est devenu planton. Et c'était la première fois qu'il a travaillé. Exactement. À l'âge de 50 ans. Mon Dieu, ça c'était le premier job de ce monsieur. À quel âge est-ce que vous avez commencé à travailler? 16 ans et 50 ans. Une grande différence, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas un homme très respectueux, n'est-ce pas? Ok. Bon, d'abord, il vole. Et ça, c'est le verbe intéressant. Voler, vous pouvez voler, mais vous pouvez aussi prendre quelque chose. Et quand vous volez quelqu'un, vous dites ça directement. Donc, il vole tout le monde. La mère, Do, les boys, le petit frère, la sœur. Donc, il prend l'argent de tout le monde. N'est-ce pas? C'est horrible. Et il essaie de prostituer sa fille, pas sa fille, sa sœur. Un bon frère aîné? Non. Horrible, n'est-ce pas? Parce que il veut prendre, il veut faire de l'argent et parce qu'il avait une dépendance de l'opium. C'est lui qui fume de l'opium. Et donc il a aussi collaboré avec les nazis dans le Midi. Et hier, la dernière fois, nous avons parlé de ça. Pour les Français, une grande insulte, c'était Colombo, n'est-ce pas? Seulement qui a collaboré avec les nazis. Et donc, vous avez ici le frère aîné qui a vraiment représenté le mal. Le mal, pas dans le sens le mal, mais toutes les mauvaises choses et pas le mal comme masculin. Ok? Donc pas ça, mais le mal. Ok? Alors, il vivait dans une grande solitude. N'est-ce pas? Il était seul parce que personne ne l'aimait. Il n'aimait personne, sauf qu'il aimait. Il y avait une seule personne au monde qui aimait cet homme. La mère. La mère. Mm-hmm. Ok. Donc, Émilie, est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît, ce passage? Il a joué un A en le monde de ma mère au grand monde des boudas, de bronze, des cuivres, et puis de lui, et puis des armoires, et puis des bras. Et puis un jour, il n'a plus rien eu. Sa mère arrive un jour, il a le costume qu'il a sur les dos, plus rien d'autre. Plus en drap, plus en couvert. Il est seul. Une personne ne lui a ouvert sa porte. Il écrit à un cousin de Paris. Il aura une chambre de service à Malzerbe. Et à plus de 51, il aura son premier emploi, le premier salaire de sa vie. Il est planton dans une compagnie d'assurance maritime. Ça a duré, je crois, 15 ans. Il est allé à l'hôpital. Il n'y est pas mort. Il est mort dans sa chambre. Est-ce que c'est une belle vie? Est-ce que c'est une vie triste? Oui, moi je pense que c'est une vie triste parce qu'il a vécu seul, n'est-ce pas? Personne ne l'aimait. Il ne travaillait pas assez pour gagner sa vie. Il a commencé à 50 ans, donc il est mort à 65 ans. Oui, donc pas beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il a laissé après lui? Rien, n'est-ce pas? Il est mort tout seul dans sa chambre. Okay? Alors, donc, la deuxième question, justement, vas-y.
Karian. Comment l'a-t-il fini? Où a-t-il été enterré? Pourquoi? Sa vie est finie un jour morne, en avril, je pense. Et il a été enterré dans un cimetière dans la Loire avec sa mère. Sa mère, près de sa mère. Oui. Dans la même tombe, n'est-ce pas? Elle ne sait pas exactement. Exactement. Donc, il a fini sa vie seul et il a enterré près de la mère qu'il aimait beaucoup. Okay? Donc, parce que c'est la mère qui a demandé que son fils soit enterré avec elle, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas le désir de l'homme, mais c'est de la mère. Karian, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, juste la citation? Elle a demandé que celui-là soit enterré avec elle. Je ne sais plus à quel endroit, dans quel cimetière. Je sais que c'est dans la Loire. Ils sont tous les deux dans la tombe. Eux deux seulement. C'est juste. L'image est d'une intolérable splendeur. Magnifique, n'est-ce pas? C'est très poétique. Elle dit « L'image est d'une intolérable splendeur ». Donc, elle est splendide, oui, cette image, mais elle est aussi intolérable. Pourquoi? Ne sont pas avec elle. Ils ne sont pas avec la mère. Comme toute sa vie, la mère disait « mon enfant » et les autres, n'est-ce pas? Elle est enterrée avec son enfant et les autres, oh, qui sait, dans le monde, n'est-ce pas? Si vous étiez dans une situation pareille, imaginez, votre mère n'aime que votre frère aîné. Quelle sera votre réaction? Est-ce que vous allez dire « oh maman, ça va ?» Non. Qu'est-ce que vous allez dire? Je suis accent. Ah, très... non, mais c'est fantastique, oui.